Salut, ici Siagma. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter mes jeux vidéo. Enfin, disons tous mes jeux, que ce soit sur ordi, sur iPod, sur portable, sur DS 3D et ainsi que mon ancienne DS. Parce que, enfin, voilà, ça me faisait plaisir de vous montrer un peu à quel jeu je joue. Je vous préviens, il y a vraiment des jeux, ça fait un moment que j'y ai pas joué, et même certains sont vraiment très très débiles, mais j'aime bien des fois, de temps en temps, les jeux débiles. Je les trouve tellement drôles et pathétiques, voilà. Alors du coup, je vais commencer par mes jeux DS, car j'ai déjà eu une DS normale, la toute première. Donc déjà voici un premier jeu, My Sims Kingdom. Voilà, c'est un jeu que j'aimais beaucoup. Ça fait super longtemps que j'y ai pas joué et je dois vous avouer que ça me manque un peu, mais le temps me manque. C'est vrai, je joue à la DS très peu depuis un moment. Donc bon. Donc voilà, My Sims Kingdom. Donc après dans les My Sims, il y en a plein d'autres. Il y a My Sims tout court, il y a My Sims Agent, il y en a plusieurs de My Sims. Donc voilà. Celui-ci, je le trouve vraiment bien. Donc si vous voulez voir un peu ce que c'est, vous tapez sur Internet, je pense que vous trouverez largement. Après, j'ai eu Little Pet Shop. Voilà, Little Pet Shop. Ça fait... Enfin, dans ce que j'aimais bien dans les Pet Shop, c'était toutes ces petites bêtes qui sont assez drôles des fois. Donc voilà. Il y a plusieurs univers différents, enfin plusieurs places différentes. Donc voilà. Si ça intéresse les plus petits, eh bien vous pourrez aller voir sur internet, sur DS normal si vous en avez une. Ensuite, mes jeux 3D. Déjà j'ai Pokémon. Peut-être que certains vont trouver que pour une fille ça fait bizarre, mais voilà, j'aime beaucoup Pokémon dans le sens où je trouve que toutes les petites bêtes, enfin voilà, toutes les petites bêtes ou animaux qu'il y a, enfin des fois certaines sont vraiment surprenantes et certaines sont très très trop choupi je trouve. Donc voilà, voilà Pokémon Saphir Alpha au passage. Voilà, après bon, il en existe d'autres de Pokémon hein. Je pense que pour ceux qui connaissent Pokémon, vous devez connaître tous ceux qui existent, parce que bon, le dernier le prochain qui va sortir ou qui est sorti, je sais plus, c'est Pokémon Lune et Pokémon Soleil. Donc voilà. Après, j'ai Nintendogs plus Cats. C'est un jeu avec un chien et des chats. Donc voilà, aussi sur 3DS. Bon, je dois vous avouer que vraiment, j'aime beaucoup les animaux parce que... Enfin voilà, les animaux, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà, Nintendogs plus Cats. Voilà, après, bah, derrière... Vous pouvez voir qu'il y a plein de sortes, plein de races différentes. Je ne sais pas si vous voyez très bien, car j'ai l'impression que la qualité est pas très très terrible. Donc voilà, Nintendo plus 4. Ensuite, j'ai un deuxième Pokémon, Pokémon Y. Je vais vous dire aussi, c'est qu'avec mon frère, souvent... Vous savez, il y a deux jeux de Pokémon en général qui sortent. Et en général, quand mon frère en prend un, je prends l'autre. Comme ça, au moins, on ne chamaille pas et en général, on arrive rapidement à tomber d'accord. Donc voilà, encore un Pokémon. Après, j'ai Animal Crossing, un jeu vraiment que j'aime beaucoup. Il existe aussi sur DS. Parce qu'à la base, je l'avais déjà de base sur DS. Et c'est un ami qui me l'a fait découvrir et franchement, j'ai adoré. Donc voilà, c'est vraiment... Enfin, là, en fait, celui-ci sur 3DS, c'est l'évolution de celui qui est sur DS.
Donc voilà, Animal Crossing. Et donc l'évolution de. Ou, je sais pas vraiment si on peut appeler ça une évolution, mais enfin, celui qui a après Animal Crossing New Leaf, c'est Animal Crossing Happy Home Designer. Celui que mon frère a du coup. Donc voilà. C'est un jeu vraiment que j'aime beaucoup. J'aime bien jouer à ce jeu-là parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc ouais. C'est un très bon jeu. Après, il y a La Maison du Style. Sur 3DS encore. J'aime beaucoup aussi La Maison du Style. J'avais déjà de base sur ma DS normale. Et du coup, ça, c'est l'évolution. Donc, La Maison du Style, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi parce que enfin, c'est un monde de la mode et tout. Enfin, avec pas mal de vêtements différents. Et puis au niveau des coiffures, des couleurs, enfin il y a pas mal de. Enfin, je trouve que personnellement j'aime bien. Après, voilà, chacun ses goûts. Et du coup, donc il y a l'évolution de ce jeu. C'est la maison du style, celui où on peut changer en plus eh bien, la coiffure, le maquillage des clientes. Et j'imagine qu'il y a d'autres choses. Donc voilà. J'aimerais bien l'avoir, mais après je verrai. Parce que j'ai pas mal de choses aussi autres que je voudrais avoir. Donc voilà. La maison du style. Après, je vais vous présenter mes jeux sur iPod. Donc j'en ai pas mal. Donc ben déjà j'ai pas mal de jeux qui vont avec Facebook. Je sais pas si vous allez voir si vous allez vraiment voir. Alors dessus j'ai pas mal de jeux avec Facebook. J'ai Papa Pierce Saga, j'ai Candy Crush, Petrescu Saga, Fermi Rose Saga, Candy Crush Soda Saga. J'ai Hyday aussi. J'ai l'impression que vraiment la qualité est pas terrible. Donc je suis désolée. Après j'ai Sims City. Et j'ai aussi un Devine Tête. Qui est assez drôle. Donc voilà. Donc ça c'est tous mes jeux qui sont connectés avec Facebook. Après, j'ai ceux qui ne sont pas connectés avec Facebook. Donc, j'ai le 2048, j'ai un jeu de. J'ai Pianotiles, j'ai Doodle Jump, j'ai Flappy Bird, Agar.io. Puis après, d'autres. J'ai Fruit Ninja aussi. Et après, j'ai trois autres jeux autres qui ne sont pas forcément connus. Mais que j'ai trouvé comme ça. Donc voilà, je sais pas si vous allez vraiment voir. Après, si j'en ai un autre, j'ai l'Office des Tentations 2. Qui est juste là, normalement. Voilà. Après, autrement, j'ai pas d'autres jeux sur mon iPod. Je précise que c'est un iPod Touch 5e génération, donc c'est pas le tout dernier. Donc je vais vous présenter maintenant mes jeux sur portable. J'en ai beaucoup moins, mais voilà. Donc j'ai Candy Crush Jolly Saga. Et j'ai Candy Crush Soda Saga. J'ai Mignon Rush. Et j'ai High Day. Et j'ai le 2048. Toc. Je sais pas si vous allez voir. Remarque, là on voit peut-être un peu mieux que sur mon iPod. Je sais pas. Bon, là il s'est éteint. Il s'est mis en veille. Désolé. Voilà. Et
Après, sur mon ordi, je reviens tout de suite, je vais vous montrer après. Alors, du coup, donc, mes autres jeux, donc, il y avait donc Panfou Panda quand j'étais petite. J'aimais beaucoup ce jeu parce que, voilà, j'aimais bien, c'était un bon, enfin, j'aimais bien, je trouvais que ce jeu vraiment sympa. Donc, voilà. Je jouais aussi à un autre jeu, c'est quand j'étais toute petite. C'était un jeu avec la fée Clochette, c'était assez drôle. Désolée, j'ai une sucette dans la bouche. Voilà. Et sinon, donc, autrement, je joue à ce jeu, amoursucré.com. C'est très débile comme jeu, mais il y a des fois, c'est tellement évident que voilà. Ça me fait rire plus qu'autre chose. Donc voilà. C'est tout pour mes jeux. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et normalement, dans notre prochaine vidéo qu'on va bientôt faire avec Zelty, du coup, donc une vidéo en duo, on vous promets quelques petites surprises. Donc, la vidéo se termine. Encore une petite chose, si jamais vous posez la question sur mon pull, pour ceux qui connaîtraient Teen Wolf, c'est bien un pull de Teen Wolf avec un nom écrit derrière, le 14 en l'occurrence. Voilà, juste petite parenthèse. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!